C'est quoi cette commande? Il y a combien de menus? Vous avez vu, hein, je commence à essayer de faire un décor, mais il y a des trucs à modifier, c'est pas encore feng shui. Qu'est-ce que je raconte? Aujourd'hui, j'ai envie de tester un concept qui cartonne aux États-Unis. Ouais, le mec, il a un concept qui cartonne aux États-Unis, il me ramène en France. Non, en plus, il y a un Français qui a fait une vidéo comme ça. Il s'appelle Ubi. Le but, c'est de passer une journée entière dans laquelle on mange exactement la même chose que ce que la personne devant nous, elle commande. C'est-à-dire qu'on va dans des fast-food, dans des restos, etc. Et à chaque fois que le serveur, il me demande qu'est-ce que tu veux manger, je vais lui dire exactement pareil que le mec qui est devant moi. Si le mec il dit bonjour, je veux des anchois, bon, je serai dans une mauvaise posture. Clairement, je serai dans une mauvaise posture. Là, il est quasiment midi et j'ai pas mangé de la journée. Enfin, j'ai pas mangé de... Regardez, je m'embrouille. Non, j'ai pas mangé de la matinée, j'ai super, super, super faim. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence... ce challenge en allant à McDonald's. On va aller au drive de McDonald's. Puis j'espère qu'on va manger un truc cool. Franchement, je croise les doigts pour un menu Maxi Best Of. Bon, eh bien, je suis arrivé à McDo. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de voiture encore devant moi. Donc j'attends l'arrivée d'une voiture. Et il y en a une qui est juste là qui arrive. Est-ce qu'elle va au drive? Est-ce qu'elle va au drive? Dis-moi que tu vas au drive. Dis-moi que tu vas au drive. Elle va pas au drive. Bon, je vais attendre l'arrivée d'une voiture. Et puis dès qu'il y en a une, dès qu'il y en a une qui passe, je la suis. Et on a une, dis-moi que tu vas au drive. La voiture rouge là-bas, dis-moi que tu vas au drive. Dis-moi que tu vas au drive. Et elle y va toujours pas. Merde. Par contre, je me demande vraiment ce que je vais manger. J'espère, mais j'espère que le gars devant moi, il va prendre quelque chose de bon. Qu'il va me prendre un petit menu Maxi Best Of avec un wrap. Ou un Big Mac. Ah, j'espère que je vais manger un bon truc. Parce que j'ai super faim. J'ai pas mangé de la journée. C'est mon premier repas. Et je suis affamé. Donc je prie pour que je prie pour qu'ils prennent quelque chose de bon. Y'a toujours pas de voiture, ça fait 10 minutes. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce McDo? Y'a personne. Non, sérieux, y'a personne. Yes, putain. J'attends depuis 15 minutes. C'est quoi ce bordel? J'attends depuis 15 minutes. J'ai vu des gens qui viennent de commander. Enfin, qui viennent de partir au drive. C'est parti. Hop. Bonjour, je vais tout prendre combien? Bonjour, je vais prendre exactement pareil que les gens devant. Exactement pareil. Ouais. La même commande. D'accord. Merci. Vous avez de la sauce avec? Oui, il y a deux sauces avec. Ça marche. Merci. Bonne journée. Merci, top. Allez, hop, on va se poser. On va voir ce qu'on va manger. J'ai super faim. Et puis depuis le temps que j'attends. Oh là 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 là. Je vous assure. Je l'ai mérité ce repas pour le coup. Je l'ai mérité. Ok. On est bon, c'est parti. Donc, j'ai mon sac qui est juste ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a donc commandé. Enfin, ils ont commandé, parce que c'est pas moi qui ai choisi du coup. Ils ont pris, bon ça va, franchement, on est gâté. On a un Big Mac. On a une boîte de 9 nuggets. Et on a un petit coca avec un total de 11,50 €. On va commencer par les nuggets, tiens. Alors c'est vraiment dommage, parce que je suis quelqu'un qui adore les frites, surtout à McDonald's. Et là, bon, ils n'ont pas pris de frites. C'est dommage. Après c'est vrai que j'aurais pu tomber quand même sur un truc que j'aime pas, genre filet au fish ou quelque chose comme ça. Ça m'aurait fait chier. Mais là... bonne pioche. Voilà, donc je vous montre pas, vous voyez ce qu'on a. Hop, des nuggets avec de la petite sauce barbecue comme ça. Et avec dans le sac, hop, un Big Mac qu'on va déballer juste après. Et là, ok, juste ici, il y a le coca quoi. Vous imaginez si on était tombé devant nous sur une famille? Parce que j'aurais vraiment commandé ce que la personne devant moi a commandé. Donc allez, c'est parti, je mange mon burger, mon Big Mac qui me, franchement là, qui me donne vraiment très très envie. Hein, qui me donne très faim. C'est parti, 3, 2, 1. Est-ce que vous aussi, vous avez toujours eu quelqu'un, je sais pas, dans vos proches ou un pote à vous,
qui vous dit à chaque fois que vous allez à McDo, ouais, tu sais que dans la viande, il y a du serpent, tu sais que dans le pain, là, il y a une, y a un truc blanc, il y a un petit rond blanc, en fait, c'est une pastille pour mieux digérer. Bref, c'est sûr, on connaît tous un mec qui, à chaque fois qu'on va à McDo, il nous sort une légende qui est complètement fausse, mec. Arrête ton délire. Toujours des mecs pour dire des bêtises, de toute façon. Peu importe ce qu'on fait dans la vie. Un gars fait une leçon de morale, il est en train de manger à la bouche pleine. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y aura un mec qui viendra vous faire chier. Bon, je suis content, j'en ai pas eu pour trop cher. Je m'attendais à... Franchement, je m'attendais à... Je m'attendais à khalas. Ça allait avec une ou deux personnes. On a mangé notre repas de ce midi. Maintenant, je vais aller travailler un petit peu. Cet après-midi, j'irai sans doute aller me chercher un truc dans un Starbucks. Un truc à manger ou quoi, je sais pas. Bah, en fait, on sait pas. Ça dépendra de la personne devant nous. Il est 15h42. On va aller se prendre un petit café à la pâte à pain qui est juste là. C'est pas le Starbucks, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc, enfin, je dis on va se prendre un petit café, mais en vrai, je sais pas, vu que c'est pas moi qui choisis. Donc je vais y aller et puis je vais dire une fois de plus que je veux la même chose que la personne devant. Franchement, j'ai vraiment envie d'un café pour me tenir. J'aimerais bien manger un petit truc aussi. Donc on croise les doigts. Bonjour, je vais prendre pareil que le monsieur qui est devant moi. Même journée, au revoir. Quelle défaite. Merde, quelle défaite. Je voulais boire ou manger un truc. Et le mec devant moi, il a pris deux baguettes. Deux baguettes. Je vais faire quoi avec deux baguettes? Je vais les ramener à la maison, je vais manger un petit peu, mais... Oh, les boules. Oh, j'ai une flemme. Putain, il aurait pu prendre une pizza. Il aurait pu prendre des viennoiseries. Il prend des baguettes. Ah, j'ai une flemme. Je mange quoi, moi? Du pain? Je vous jure, j'ai méga faim. C'est dangereux ce que je suis en train de faire, faut pas le faire. 19h10. Et là, je vais à Domino's. On va prendre une pizza. J'espère qu'on va avoir le droit à un bon truc, genre pas une pizza aux anchois ou une merde comme ça. Ça me donnera envie de pleurer, je vous jure. Et vos Domino's là, il est juste ici. Vous voyez, juste derrière moi. On y va, let's go. Bonsoir, non pas encore. Excusez-moi, vous avez pris quoi? Comment? Excusez-moi, vous avez pris quoi? Au fromage. D'accord, les deux? Ouais. Je vais prendre pareil. Ouais, c'est ça. Voici les pizzas. Je suis sur un banc. Il est mouillé. Mais on fait, mais on fait comme on peut. Voilà, je vais manger ça là. Faut que je réussisse à finir les deux pizzas. Ça va être tendu, mais je pense que je peux y arriver. Wow. C'est trop appétissant, putain. Trop appétissant. Parfait, il l'a prédécoupé. J'ai eu plutôt de la chance. Parce que je suis tombé globalement que sur des trucs que j'aime bien. Mec, j'ai renversé ma pizza. Putain de merde. Franchement, ça m'arrive toujours à moi ces trucs là. Purée, non. Putain, je gâche la nourriture, c'est pas bien. J'ai terminé ma pizza, enfin. Il me reste juste quelques croûtes quoi. Mais je suis blindé, j'ai mal au ventre. Du coup, ce qu'on va aller faire, c'est on va aller au Starbucks et on croise les doigts pour avoir un truc bon quoi. Franchement, je veux un café, s'il te plaît. Donne-moi un café. Bonsoir, je vais prendre la même chose. Ok, ouais, la même taille. Léonard. Merci. Bonne soirée. Bon, du coup, j'ai acheté un latte venti. Ça m'a coûté 4,85€ ça. Ah ouais, ils l'ont pris en grand. Ok, why not, Léonard. Bon, jamais goûté, on va voir si c'est bon. Je vais goûter pour la première fois de ma vie. C'est quoi? Un latte venti. Ah, c'est chaud un peu. Mmh.
Ça c'est pas mal. Franchement ça va. J'aurais préféré un vrai café. Un petit expresso, double expresso ou je sais pas quoi, mais ça va. Le latte venti est plutôt pas mal. Il est en grand. Bon après c'est un peu cher, hein. Franchement. Presque 5 balles pour ça, c'est cher. Et en fait, juste à côté là-bas, il y a un ciné. Donc est-ce que on n'irait pas au pâté et on va voir le même film que le mec juste devant moi? Franchement, ça me tente. Je crois qu'on va faire ça. C'est moi, yes, c'est ça. Bah merci, en plus je fais une vidéo là, tu vois. Ok, moi bon, merci, génial. On m'a déjà dit, ouais, je suis pas venu te voir parce que j'osais pas, t'étais avec une meuf. Franchement, mais les gars, c'est le meilleur moment pour venir me voir. Vous venez me voir et vous me dites, merci Léonard de m'avoir prêté de l'argent, merci de m'avoir donné un rein. On va l'impressionner, on doit l'impressionner, c'est le moment. Quand je suis en date, venez me voir. Non, je rigole, enfin bref. On va aller au pâté. Bonsoir. Bonsoir. Je vais voir le même film. Ensemble. Ouais. Voilà. Je vous remercie, bonne soirée, au revoir. Bon du coup 21h39. Ma séance pour aller voir Nous finirons ensemble, elle va bientôt commencer. C'est pas moi qui ai choisi. Quelle vidéo. On va s'installer. Ok, le film était vachement cool. Il a un truc comme minuit 30. Et je sais que dans ma ville, il y a un Burger King qui est ouvert le week-end, bah, la nuit quoi. C'est un espèce de drive nocturne. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme j'ai un peu faim, on va aller prendre une petite commande. J'espère manger une fois de plus un truc bon. On va passer au drive du Burger King et on va faire une petite commande. Excusez-moi, je vous écoute. Je vais prendre exactement comme le monsieur devant. Exactement comme le monsieur devant. Ouais, ouais, là, exactement la même commande. Pas de soucis, merci. Merci, bonne soirée. Je suis baisé. Je suis baiser, je suis baisé à la mort, je vais me poser. Je suis baisé, complètement baisé, je suis baisé. C'est quoi cette commande? C'est quoi cette commande? Il y a combien de menus? En fait, je suis passé derrière un groupe de potes en voiture. Et il devait aller à une soirée ou quoi. Regardez tout ce qu'ils ont commandé. Je suis baisé. Je suis baisé. Je vais faire quoi avec tout ça? Je vais faire quoi avec deux putains de sacs auto-remplis de bouffe? Mec, j'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour 44 balles. J'en ai eu pour presque 50 balles. J'en ai eu pour presque 50 balles de Burger King. Regardez, je vous mens pas, regardez tout ce qu'on a. Putain, total 44 euros et 40 centimes. Mec, je fais quoi avec toute cette bouffe? Regardez-moi tout ce qu'on a. C'est que de la bouffe. Tout ça, c'est que de la bouffe. Que des burgers, des frites. Y'a pour 5 personnes. Je suis baisé. Je vais essayer de manger ce que je peux. Non, je peux pas manger tout seul. C'est pas possible, c'est juste pas possible, je peux pas manger tout seul. Bon, c'est pas grave, je vais donner de la bouffe. Voilà, on a beaucoup commandé mais ce sera pas perdu, je vais en donner. En tout cas, bon, j'ai un peu le seum parce que là c'était une grosse commande quoi. Je viens de perdre 50 balles pour de la bouffe. C'est pas grave, au moins ça fera plaisir à des gens. Je vais pas gaspiller tout ça, je vais en donner. Conclusion, la journée était plutôt cool. À part là, bon, on n'a pas eu trop de chance. Mais c'est pas grave, j'ai joué le jeu à fond. J'ai décidé de quand même commander. Même quand la meuf elle m'a dit le prix. Je voulais pas faire de manière et vraiment jouer le truc à fond quoi. Même s'il y avait une grosse commande, pas me dire ok je la prends pas. Bon c'est pas grave,
Je vais essayer de manger un maximum ce que je peux et je vais ramener tout ça chez moi, donc ce sera pas perdu. Cette journée était quand même marrante, c'était cool comme concept. J'ai apprécié faire cette vidéo, même si c'est parti un peu en couille sur la fin. Suivez-moi sur Insta, mon Insta c'est Léonard Berduca, il est juste dans la description. Moi je vous retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo, parce qu'on sort des vidéos tous les mardis jusqu'au million d'abonnés. C'était Léonard, bonne soirée. Ciao. Hey, tu peux regarder une des deux vidéos qui s'affichent à ton écran, soit à gauche, soit à droite, soit à gauche, soit à droite. Sinon tu peux t'abonner, tu cliques juste sur le rond qui est au milieu. Voilà, ciao.